Donc, je vais vous montrer une façon de tester si votre application fonctionne. Donc, nous avons créé une grille sur laquelle on peut placer des éléments. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un assesseur que je vais appeler, par exemple, public car get, get case. Donc, ça va me permettre de récupérer la case que j'aurais passée en paramètre. En paramètres, je passe un int L qui correspond à la ligne, un int C qui correspond à la colonne. Et je fais return, et moi qu'est-ce que je veux return? Je veux return grille de NC. Donc voilà pour ce get case. Ce que je vais faire, bon déjà j'ai oublié mais je vais le faire tout de suite, c'est que je vais renommer mon tuto 5 en tuto 6. Bien sûr, quand vous suivez un cours, reprenez bien le dossier qui correspond à la vidéo que vous êtes en train de suivre. Sinon vous aurez soit des codes sources en plus, soit des codes sources en moyen, c'est pas très intéressant. Bon, je crée une classe que je vais appeler test, test grille par exemple. Dans test grille, je vais peut-être récupérer quelques éléments. Non, pas besoin, pas besoin. Je vais... Si, si, je vais récupérer tout ce qu'on a fait dans le main. Je vais le compacter un petit peu. Je vais le compacter pour que ça prenne moins de lignes. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai un point placé parce que... Parce que j'ai pas de créer de fonction de main. Donc je vais créer ma fonction main. Et voilà. Donc là je lance. Et j'ai bien ma grille qui s'affiche. Bon, ce que je fais moi, c'est que je vais pas afficher ma grille. Donc je vais supprimer tout ce qui correspond à l'affichage. Donc quand je lance, j'ai bien ma grille qui est créée, mes éléments qui sont placés. Par contre, j'ai rien qui s'affiche sous mes yeux. Et donc, pour tester si on a bien ce qu'il faut au bon endroit, je fais g1.getCase. Et moi, je veux récupérer la case 2, 4. Qui correspond à la case où on a placé notre joueur. Puisque la case 2, 4, je vous rappelle que c'est la case 3, 5. Sauf qu'ici, on enlève 1 à chaque fois. Donc si vous ne voulez pas d'ambiguïté, je vais modifier ça tout de suite. Et je vais dire moins 1, ici, voilà, ok, j'enregistre. Et au moins je peux avoir les mêmes coordonnées que pour mes éléments. Donc normalement le getCase, ça va me renvoyer ce qui est contenu dans la case 3, 5. Donc ça va me renvoyer le caractère J. Donc là ça ne me renvoie rien du tout. Ça ne me renvoie rien du tout, donc je fais un système.out. Print, print tout seul, voilà, et je vais fermer ma parenthèse ici. Et tout simplement, donc pour faire vos tests, vous écrivez ça, donc on affiche ce qui se trouve ici, et ce qui se trouve ici doit être égal à J. Je lance et j'ai bien J égale à J. Donc là, j'ai exécuté un test et je sais que j'ai bien ce qu'il faut au bon endroit. J'ai bien J à l'endroit où je place J. Je peux faire la même chose. Je vais demander qu'est-ce qui se trouve en position 7, 4. Et en position 7, 4, normalement, il y a un O. Je vais demander qu'est-ce qui se trouve en position 10, 7. En position 10, 7, il se trouve un M. Et je vais demander, par exemple, qu'est-ce qui se trouve en position 3, 3. Et normalement, en 3, 3, il se trouve rien du tout. Donc j'ai bien... il faut que je fasse des...
Il faut que je fasse des retours à la ligne. Donc je vais en faire. Je vais en faire ici, ici. Et ici. Voilà. Donc j'ai bien J égale J, O égale O, M égale L, M égale M, pardon, et point égale point. Puisque, oui, entre parenthèses, je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai fait donc après la vidéo précédente. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié les petits tirés par des points, puisque les points, c'est encore moins visible que les petits tirés. Donc c'est mieux pour nous. J'ai un tout petit peu diminué la taille de la grille, et j'ai positionné des éléments un peu différemment. Donc là, on a une grille qui fonctionne très bien. Et notre test de grille fonctionne à la perfection. On a bien nos éléments qui se trouvent au même endroit. Maintenant, si vous voulez, on peut tester test de déplacer. Donc là, évidemment, nous n'avons pas encore créé de test de déplacer, de méthode déplacer. Ok, donc on va le faire tout de suite. Ce que je fais, c'est que je copie placer et je vais faire déplacer H. Déplacer H qui signifie déplacer vers le haut. Donc vous allez comprendre pourquoi. Je pense que, bon, peut-être qu'on modifiera ça, mais je pense que ça peut être pas mal. Ça peut nous correspondre. Donc pas besoin de tester les paramètres puisque on n'a pas de paramètres ici. Et donc déplacer vers le haut, ça veut dire que on va modifier la ligne. On va modifier la ligne actuelle. C'est-à-dire que si on est sur la ligne 3, on va aller sur la ligne 2. Donc ce que je vais faire, c'est demander if grille. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est pas ça. On va dire que déplacer H permet de déplacer uniquement le personnage. Donc, je vais venir récupérer une double boucle for. Et ce qu'on va faire, c'est que on va chercher la position du personnage. Donc, cette méthode ne sait pas où se trouve le personnage au début. Donc, ce que je fais, c'est que je fais int i égale 0, i plus petit que nombre de lignes, etc., etc. Donc je parcours l'intégralité de ma grille et je dis if grille de i, j égale à j. Donc c'est-à-dire si on a le joueur, alors on dit if i moins 1 plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire si en dessous du joueur il y a encore de la grille, c'est-à-dire si on n'est pas tout en haut déjà, à ce moment-là on va dire, on va même créer une variable, en fait on va créer une variable que je vais appeler CarTMP, donc temp qui est une variable temporaire qu'on va détruire après, on l'utilise juste pour pouvoir faire un déplacement. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que TMP est égal à ceci, grille IJ, c'est-à-dire à mon joueur, puisque c'est là où on a trouvé mon joueur. Ensuite, je dis que grille IJ est égal à point, c'est-à-dire une case vide, puisque mon joueur ne se trouvera plus ici par la suite. Et je dis que grille de i moins 1 j est égal à tmp. En gros, on copie le perso, on vide la case et on déplace le perso. Voilà pour ce qui est du déplacement du personnage. Donc on teste,
position. On cherche le joueur. Bon, voilà toutes les étapes qui nous servent pour le déplacement du personnage. Bon, ensuite, tout ça, c'est bon. Ok. Donc, je vérifie si notre méthode fonctionne bien. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On parcourt le tableau. Ensuite, on cherche la position du joueur. Si on trouve le joueur, à ce moment-là, on le déplace. Et si on ne trouve pas, de toute façon, il ne se passera rien du tout. Ok. Donc, ce que je fais, c'est que je vais tester tout de suite ceci. Je fais g1.déplacer h, point virgule, et je fais afficher. J'exécute. Et j'ai bien mon joueur qui est monté d'une case. Il était ici et à la deuxième case, le deuxième affichage, mon joueur se trouve ici. Si je le fais se déplacer plusieurs fois, on teste. Donc mon joueur se trouve en troisième position, en troisième ligne. Ensuite en seconde, ensuite en première ligne, et ensuite il reste en première ligne puisqu'il est tout en haut. Donc notre méthode déplacer fonctionne très bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause, et je vais faire un copier-coller de déplacer H, et je vais faire déplacer vers le bas, vers la gauche et vers la droite. On se retrouve dans une seconde. Voilà, donc là, j'ai écrit les quatre méthodes de déplacement. Donc je viens de les écrire à l'instant, je ne les ai pas encore testées, donc je ne sais pas si j'ai fait une erreur ou pas, puisque pour chaque méthode, il y a des conditions différentes. Donc il faut bien vérifier si, quand on descend vers le bas, on n'a pas dépassé le nombre de lignes de la grille. Là, c'est pas i-1, c'est i+1. Quand on se déplace vers la gauche, il faut vérifier la position au niveau des colonnes, et c'est j que l'on va modifier. Donc vous voyez, pour chaque type de déplacement, c'est des choses différentes qu'il faut tester. Donc je ne vous promets pas que ça fonctionne, mais bon, je pense que là les calculs sont bons. Ensuite, juste j'ai fait comme ça parce que c'est plus facile à faire. Par contre, c'est pas judicieux de faire un copier-coller 4 fois comme je l'ai fait ici. Ce qu'il est préférable de faire, c'est de créer tout simplement une méthode déplacée qui prend en paramètre une direction au bas gauche droite, et en fonction de la direction, donc avec des if, eh bien vous appliquez une modification. Donc là j'en ai créé 4 pour que ce soit plus simple, mais c'est pas le plus judicieux. Bon, voilà pour le déplacement. Pour tester si notre fonction de déplacement marche bien, je vais déplacer mon joueur vers le haut. Donc je suis toujours dans la classe test, et je vais venir tester ici si en position 3-5 on a bien un point. Puisque rappelez-vous, au début du jeu, on place notre joueur en position 3-5. On teste s'il y est bien, normalement il y est bien. Ensuite on le déplace vers le haut, du coup notre joueur sera en position 2-5 normalement. Et on teste si on a bien un point à l'arrivée. Donc là je lance. Et on a bien nos tests qui nous donnent un résultat positif. Donc notre méthode fonctionne bien. Voilà en gros ce qu'il va falloir faire pour toutes vos classes, toutes vos méthodes, etc. C'est réaliser ce genre de test. Après vous pouvez créer une classe plus complexe qui vous dit s'il y a des erreurs ou pas, etc. Donc là c'est juste visuel, c'est juste pour nous. Et je viens juste de me rendre compte que il y a quelque chose à prendre en compte ici dans nos méthodes de déplacer. C'est on teste la position évidemment, mais on va aussi faire un test, donc avec un double et. Le double et permet de tester deux conditions en même temps. Donc si i-1 est plus grand que 0 et puis que blablabla. Donc là on va donner une seconde condition. Et nous ce qu'on veut, c'est que grille-1 soit égal à point. C'est-à-dire on veut
que il y ait quelque chose de différent. Qu'il y ait donc du vide. On ne peut pas marcher sur. Si par exemple on a une maison sur la carte, on ne peut pas se déplacer sur la maison. Même si on est encore sur la grille, on ne peut pas se déplacer sur la maison. Donc là, on va pouvoir se déplacer uniquement si on a un point, c'est-à-dire une zone vide. Donc, vous voyez, lorsqu'on programme, il y a toujours des contrôles qui doivent être faits en permanence pour être sûr qu'on se trouve dans une situation probable et pas dans quelque chose d'impossible. Bon, tout ceci, je vais le faire aussi pour les autres méthodes de déplacement. Donc là, on teste. Non, là, je me suis trompé. Donc là, c'est i plus 1 est égal à point. Ici, c'est j moins 1. Donc j moins 1. Et là, c'est j plus 1. Donc là, c'est juste pour le déplacement. Après, évidemment, ce qu'on fera par la suite, c'est exactement la même chose. Par exemple, on va faire ceci. On va dire si on se déplace sur la grille, mais que c'est pas un point, mais c'est un monstre qu'il y a, à ce moment-là, on se déplace quand même, donc on place le perso sur l'endroit où il y a le monstre, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va appeler une méthode par exemple g1.démarrer start combat. Donc si on marche sur un monstre, à ce moment-là, un combat démarre et on va se battre contre le monstre sur lequel on s'est déplacé. Donc ça, je le mets en commentaire puisque de toute façon, ça ne marchera pas puisque on n'a pas encore créé de méthode de combat. Ça viendra par la suite. Et ce que je vous propose de faire maintenant, déjà, c'est de mettre tout ça en commentaire. Voilà. Donc on a bien tout qui fonctionne. Notre personnage est maintenant capable de se déplacer comme on peut le voir dans cet exemple. Et dans la prochaine partie, on verra comment choisir nous-mêmes dans quel sens on veut se déplacer donc avec notre personnage.